Yo les gars, c'est Scar56, j'étais comment ça? Moi ça va vraiment super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Oui je sais, vous allez me dire, oh mais qu'est-ce que tu fais Scar? Ça va pas bien dans ta tête ou quoi? Tu oses mettre du Call of Duty Ghost alors qu'Advanced Warfare est sorti? Ouais mais je suis désolé les gars, mais je vous expliquerai tout ce que je pense de ce putain de jeu. Ouais j'ai bien dit putain. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une très belle KVM à la Reaper. J'ai vraiment galéré à la sortir les gars, j'ai pas vous mentir, celle-là je crois que c'est une des armes où j'ai le plus galéré. Et en plus celle-là elle est belle parce que je rushais beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai loupé au moins une vingtaine de KM avec cette arme. Lag de co. En fait je sais pas, quand t'as pas la co tu joues pas. Donc là je fais pas de mettre ce gameplay là les gars. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Comment vous dire? Vous allez me dire, ouais mais t'as pas fait de vidéo depuis un petit moment les gars, et je suis entièrement d'accord avec vous. Pourquoi je ne fais plus de vidéo? Parce que j'ai mon PC qui est cassé. C'est un ami à moi, il m'a dit tu as tellement de virus, tu m'étonnes que tu peux plus l'allumer. Donc il a réussi à l'allumer, il a nettoyé quasiment tous les virus, sauf un qui est apparemment très 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 gros. Et comment vous dire? Celui-là, bah malheureusement, bah, il n'arrive pas à l'enlever, donc il va aller à comment? Il va l'envoyer à un de ses potes à Paris, ou c'est le mec qui va venir en Bretagne. Donc je sais pas du tout quand est-ce que je vais le récupérer. Donc au final, il est en réparation, donc j'en ai pour je peux en avoir pour 1 mois, 3 mois. Et les gars, ne me dites pas, ouais, mais tu vas sur les films de boules, coquinou. Non, non, je vais pas sur les films de boules, les gars. Je suis désolé de. Excusez-moi pour la petite voix, mais il fallait bien que je change un peu la voix. Non non les gars, j'ai pas du tout sur les films de boules, j'ai pas que ça à foutre de ma vie. À chaque fois que j'allume mon PC, c'est pour aller sur quoi? YouTube ou Facebook. Donc voilà. Donc si vous voulez m'ajouter sur Facebook les gars, c'est très facile. Vous tapez Julien Scar, S-A-C-A-R. Tout simplement. J'ajoute tout le monde. Ah oui, petite dédicace aussi à comment il s'appelle déjà? Ah oui, Super Chris. Pourquoi je prends le petit accent? Parce que les gars, c'est un youtubeur qui est comment assez spécial. Il est super super jeune les gars. Et je crois que tu fais pas mal de bonnes vidéos. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, n'hésitez pas. J'aurais une autre dédicace à faire. C'est monsieur NRHD. Je sais plus comment ça s'écrit. M-E-R-E-N-Z-E-R-H-D. Il a claqué une vicieuse en live sur Call of Duty Advanced Warfare. Il sort énormément de vicieuses. Et il a loupé quelques DNA, manque de temps, vraiment un super bon joueur, il fait des énormes performances. Donc voilà. Maintenant revenons à mon petit sujet, vous voyez. Ah oui là au passage beaucoup de chance, il aurait pu me lancer son couteau et j'aurais été mort. Donc voilà mon petit sujet. Advanced Warfare les gars, vous en pensez quoi? Moi j'en peux plus de ce jeu, je pense qu'il dit ouais c'est un bon call off, on va repartir, on va faire du renouveau. Ça va être facile, les spawns vont être bien, on va pouvoir quand même un minimum spawn kill. Les armes elles ont toutes l'air bien. Donc au final je me suis dit ça doit être un bon jeu. Sauf qu'au final bah qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis entièrement trompé, moi qui l'attendais avec impatience depuis 2-3 mois. Même Call of... J'ai pas vous mentir, moi je vous le dis cash, je préfère Call of Duty Ghost. Je l'ai critiqué, tout le monde l'a critiqué. Mais quand je vois Advanced Warfare les gars, ah y a pas le choix, Call of Duty Ghost, ils sont 15 fois mieux. Moi je l'ai bien aimé hein Ghost, j'ai pas vous mentir que je l'ai bien aimé. C'est un bon jeu, il y a des bons serveurs. Pour trouver des parties, il y a des bonnes co. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des bons serveurs, vous allez me dire, ouais mais tu tombes aussi sur des noobs. Ouais mais c'est ça qui est bien, tu tombes pas sur des gens... T'es pas obligé de faire du reverse boosting pour trouver des gens un peu plus faibles que toi pour tenter des beaux gameplays. Tandis que sur Advanced Warfare, c'est très très dur de faire des gameplays. Il y a les connexions parce que, ouais, moi je lag tout le temps. À nouveau la co parce que moi je vois les ennemis qui me mettent 2 balles, moi j'en mets 6. Ouais, mais vous allez me dire, ouais, mais t'as qu'à pas habiter là où t'es. Sauf que c'est pas moi qui décide où j'habite, bande de petits cons. Non, je plaisante. C'est pas moi du tout qui décide, les gars. C'est mes parents qui ont décidé d'habiter là, je dois faire avec. J'ai 45 de ping. Me dire ouais mais c'est une bonne cause ça encore, moi j'ai 80, 65, il y en a qui ont 108 et qui jouent à la console. Ouais mais les gars, quand je vois ceux qui ont la fibre optique, même moi à 45 de ping, je mets 6 balles hein. Impressionnant. Et j'habite pas près de ma box hein. Près du magasin. Et même ma box elle est pas dans ma chambre hein. Elle est à côté donc je suis pas en wifi, donc c'est encore 2 fois plus dur.
Et donc voilà. Advance Warfare, donc c'est un petit débat les gars. Dites-moi si vous avez bien kiffé ce jeu, parce que moi spécialement, je l'aime pas tant que ça. J'ai quelques petits gameplays, mais c'est pas des vicieuses ou trucs comme ça. Je n'ai pas encore réalisé la vicieuse. Je l'ai loupé au moins 5 fois. Pourquoi je vous propose pas? Tout simplement parce que j'aime pas proposer des médailles 20. Je préférais vous proposer des médailles 25. Encore, mais j'en ai pas réalisé une seule. À chaque fois, je meurs à 1 ou 2 de la médaille 25. 20, 24, 23, 21, 22, j'ai tout fait. Excusez-moi, j'ai vraiment tout fait. C'est impressionnant, je n'arrive pas à dépasser cette putain de médaille 20. Même quand j'ai mes killstreaks, il faut que je meure dedans. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, le jeu, il ne veut pas me le donner. Donc, je vais devoir faire avec, quoi. Donc, là, j'étais à 15. Gros stress, je voyais 180. Je disais à mes alliés, faites durer la partie, faites durer la partie. Et je leur dis un gros dédicace. Je sais plus en compagnie de qui j'étais, mais je suis vraiment très content. Parce que quand je leur ai demandé ça, ils l'ont fait. Ils ont laissé exprès C pour que je puisse spawn kill. Et je leur dis un gros merci parce que c'est rare de trouver des amis comme ça sur la play quand tu es en série ou quand tu es en série que tu veuilles les aider. Parce que eux, dès que je demande est-ce que vous pouvez faire ça, laisser les drapeaux ou me laisser le spawn, ils le font, hein. Certes, ça gueule un peu des fois parce que c'est vrai que je suis souvent en série. Enfin, pour moi, une série sur AW, ça commence à partir de 15, une vraie série. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça gueule un peu, mais c'est normal, quoi. J'ai pas tout le temps les faire chier avec ça. Ils peuvent plus killer après aussi. Donc, actuellement, sur Call of Duty Advanced Warfare, je suis précis chaque niveau 30. Je viens de passer tout juste au niveau 30. Donc j'ai profité quand même pas mal du double XP, hein. J'ai passé 3 prestiges rien que pendant le double XP. Je vais me dire, ouais mais t'as geeké comme un trop fort, t'as un no life. Donc déjà juste un truc pour ceux qui vont dire, ouais mais t'as un no life. Je suis pas un no life les gars. Je sors régulièrement, le dimanche vous me verrez rarement co le matin et l'après-midi. Vous allez me dire, ouais mais pourquoi? Bah tout simplement parce que j'ai voir mes amis, c'est tout. Moi je passe pas mon temps sur la console, il y en a qui passent leur temps dessus, leur vie ça leur apportera rien. Je sais pas pourquoi ils veulent passer autant de temps sur la console. Ça apporte rien, tu fais plus chier qu'autre chose. Tu rages, tu pètes des câbles, j'ai déjà cassé 4 casques à un PS4 rien qu'en jouant trop à la console. Ils vont me dire, ouais mais faut pas être vénère non plus, ouais mais si j'en casse régulièrement. Là il m'en reste un que j'ai payé 150 euros, j'ai pas eu le casser tout de suite. Donc voilà, déblocage de la KM aussi, lancé immédiatement. Donc gros merci à toute la team. D'autres gars, je sais plus du tout avec qui j'étais, je suis entièrement désolé. Donc j'enverrai toutes ces vidéos sur Facebook. Je remercie aussi actuellement pour les 61 abonnés, les gars. Je vous fais un gros gros merci. J'ai pris ouais, 12 abonnés d'un coup, j'étais super content. Je n'ai jamais vu ça. Je galère déjà à avoir un abonné par mois, mais là j'en ai pris 12 d'un coup, les gars. Vous savez même pas à quel point ça m'a fait plaisir. Je suis super content, mais vu que j'ai plus de PC, je peux pas voir exactement qui s'est abonné à ma chaîne et qui ne s'est pas abonné. Donc voilà, c'est dommage parce que ouais, un PC c'est hyper important quand même. Donc au final, on a quand même perdu la game parce qu'on a trop laissé les spawns. À moins que j'étais sur le point, j'étais accompagné, ce que je vois de Carnage. Parce que je suis très loin de ma télé. Skyzer, Nelson, donc grosse dédicace à vous les gars. Donc je vous dis les gars, ciao ciao, bye bye et protégez-vous bien!